nous d'être reconnaissants envers son temps-là pour cette grâce qu'il nous a accordée. Cette grâce de ce mois béni du Ramadan. Allah SWT dit à cet thème, l'Aïn Shakartum, l'Azidan Nekou. Il dit, certainement, si les serviteurs sont reconnaissants envers lui à son tala, il dit, il faut qu'on sache que lui à son tala va nous augmenter en bienfait. Et la reconnaissance envers son tala, comment cela se matérialise? Ça se matérialise par son obéissance. En faisant ce qu'il aime, il a connaissant ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a interdit. Et durant ce mois-là, comme je le disais dans l'intervention de lui antérieur, il dit qu'on était à une école. Une école dont le support de cours est le Coran. Parce que durant ce mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Chaque Ramadan est l'aise, on dit la vie du Coran, vous êtes l'as ou bien le Ramadan. Donc le support de cours est le Coran. Et ce Coran-là, qui est lui-même, qui a été la vie du Moussa Sallam. Quelle autre manière notre mère Aïcha Adana, quel était le prophète Moussa Sallam? Quand elle dit quoi, qu'un apôtre pour vous, à l'Oukhan, que son prophète était le Coran. Donc celui qui était à cette école, qui a eu pour enseignement ce livre, pour support ce livre, pourquoi support, durant ce mois-là, le Coran a été lu. Durant ce mois, le Coran a été écouté. Durant ce mois, on a médité à travers les tafsirs sur les versets du Coran. Normalement, cela devra laisser un signe, des traces sur nous durant ce mois. Et ces traces-là doivent rester jusqu'à après Ramadan. Et malheureusement, ce que vous constatez, c'est qu'après tous ces efforts-là, après toutes ces prises de conscience, à la fin, nous, c'est comme si on gâtait tout ce qu'on a fait. Et cela, Allah a pris l'image de cela dans le Coran. Il dit, « Amilatum nasiba. » C'est des personnes qui œuvrent, mais qui ne tireront pas les profits de leurs actions. Dans le Coran, on peut prendre l'exemple d'une femme qui passe toute sa journée à tisser. Et après sa journée, elle s'assoit, elle met encore pour défaire ça. On a pris tout un mois pour changer. Celui qui fumait, il a fait 30 jours dans la journée, il ne fume plus. Celui qui faisait du n'importe quoi, qui fréquentait des lieux interdits par Allah SWT, qui faisait zina, et 30 jours de ce mois de Ramadan, il a coupé avec tout ça. À cause d'Allah SWT. Il sait que ce mois-là est béni. Il sait qu'il ne doit pas faire ça durant ce mois. Celle qui était dans le commérage, moratoire, tout ça, mensonge, colpotage, parmi les soeurs, parmi les frères, durant ce mois-là, elle a eu peur d'Allah, elle a délaissé. Il ne veut pas que son jeûne soit attaché. Mais le Ramadan est fini, malheureusement, tous ces enseignements-là, on va délaisser un peu un peu. Et les gens sont divisés en quelques catégories à ce sujet. Il y a d'autres, le lundi, là, ils vont tout laisser. C'est-à-dire chapeau de Ramadan qu'ils ont porté, ou bien voile de Ramadan qu'elles ont mis sur elles, elles vont tout jeter. Il va tout enlever. Nous, comme ça, il a gardé tout un coup. Mais il y a d'autres qui, eux, ils ont su que vraiment, il y a eu un impact sur eux. Ils ont su que Ramadan, vraiment, ils ont pris conscience réellement. Mais après,
qui s'assemblent se ressemblent. La fréquentation a fait qu'au fur et à mesure, ça a commencé à se dégrader. Donc c'est maintenant à ces personnes, je dis, ceux qui ont plus conscience réellement, qui veulent changer réellement, et ça va choisir avec qui on va marcher. Comme on le dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pour moi, 70, il dit Al-Mar'u al-Din Khalilihi Falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son frère. Que l'un d'entre vous regarde celui qui fréquente pour pouvoir dire quel genre de personne tu es. Donc, à vous qui voulez changer réellement, restez dans la famille, restez avec des personnes, avec des frères vraiment qui vont vous aider à avancer. Il y a d'autres durant ce mois-là, ils sont inscrits à des cours de formation pour apprendre à lire l'arabe, apprendre à lire le Coran. Restez toujours dans ces formations-là, restez toujours dedans. Si tu n'es pas encore inscrit là, c'est maintenant qu'il faut t'inscrire quelque part pour apprendre ta religion. Parce que la plupart de nos déviances, c'est par manque de connaissances. Parce que là, il dit Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Il dit parmi ses serviteurs, ceux qui les craignent. Quand il dit qu'il y en a, c'est quoi? C'est mettre entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala une barrière. En faisant quoi? En délaissant ses interdits et en faisant beaucoup d'efforts dans ce qu'il a demandé de faire. Il dit ceux qui arrivent à faire ça, là, ceux qui ont reçu la science. Donc la science, ça libère l'homme. Ça éclaire l'homme. C'est comme tu es dans une pièce pleine d'obscurité. Est-ce que tu peux te déplacer? Tu ne peux pas te déplacer. Mais dès qu'il y a une petite lumière qui est pas là-bas au fond, tu vois que tout ton objectif, c'est quoi? C'est vers cette lumière-là. Tu vas commencer à te guider. Et là, quand c'est éclairé au fur et à mesure, tu vois que tu arrives à distinguer entre la table, les assiettes, tu marches clairement, tranquillement. Donc, apprenons notre religion afin d'avoir une bonne base. Et même si on fléchit, on sache qu'on a fléchi, et puis on demande pardon à ce moment-là, et il va accepter. Mais si on n'apprend pas, on va savoir qu'on a fléchi. Et puis ce qui est bizarre, si on vient nous dire à mon frère, ah, tu as des gamins, hein? On va parler que non, il est trop, il est trop musulman ou il est trop radical, un truc comme ça. Donc, on s'est saboté. Alors qu'il t'a dit la vérité. Je n'ai même pas dit non, il est warabia. Ah, chez vous, là, tous les conducteurs comme ça. Tu n'as pas appris. Donc, quand il t'a dit, c'est bizarre. Donc, apprenons notre religion afin de pouvoir mieux nous orienter dans cette vie. Il faudrait qu'on sache un jour. Demande à l'invenu, on va se retrouver chez Allah comme ça. C'est pourquoi il dit Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Il dit craignez le jour où vous allez retourner auprès de moi, Allah soit en Allah. Et chacun aura ce qu'il à s'aimer dans Dunya. Et puis, il nous garantit qu'on ne sera pas lésé. C'est-à-dire, il ne va pas nous faire du tort. Quoi. Il va donner à chacun ce qu'il mérite. Parce qu'il y a deux anges ici qui écrivent, qui ont la même créativité. Ils écrivent ce qu'on fait. Ils savent parfaitement. Et puis, ce jour, tu ne pourras pas parler, c'est tes membres, ta bouche, tes yeux. Tes pieds qui vont parler. Ce que ta mère t'a amené à faire là, il va te témoigner ce jour-là. Ce que ton pied, où ton pied t'a envoyé là, il va te témoigner. Donc, prenons conscience que nous sommes des étrangers sur cette terre, comme l'a dit le professeur Salam. On est étrangers sur cette terre-là. On va devoir reculer. Or, quand tu es étranger, tu ne prends pas ton lieu de séjour comme ta demeure, mais juste
un passage. Et ce passage-là, c'est le jour lorsque notre moment viendra de ce passage. Et si ça trouve qu'on n'a pas assez de bagages, on sera du nom des perdants. On doit s'entendre là qu'une face des personnes qui vont prendre conscience de leur état de servitude et qui vont considérer son talent là à sa juste valeur. C'est pourquoi elle dit « Wa ma qadarullah haqqa qadri » Il dit « Les gens n'ont pas considéré son talent comme il se doit. » Et si tu penses qu'à son talent là, il est grand que tout ce que tu vois, il a la science parfaite, il te voit partout où tu sois, il sait même ce que tu n'as pas encore prononcé. Quand tu penses qu'il t'a créé alors que tu n'existais pas, quand tu penses qu'il va te faire ressusciter alors que tu es d'une poussière, normalement tu dois avoir peur de ce tête-là, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah il dit qu'Allah, il n'a rabbi la canoud. Il dit l'homme il voit tout ça, mais il est ingrat. Donc l'ingratitude fait partie de la définition de l'homme. On doit s'entendre là qu'il ne nous mette pas parmi ceux qui seront ingrats. Mm. On doit s'entendre là que ce mois de Ramadan, qu'il accepte de nous. Mm. Qu'il accepte nos jeûnes. Mm. Qu'il accepte nos prières. Mm. Qu'il accepte nos aumônes. Mm. Que nos doigts qu'on a fait soient exaucés. Ce dont on a cherché protection envers son Allah, contre qui nous protège contre cela. On doit son Allah, comme il l'a dit, Il dit, on fait descendre dans le Coran ce qui est shifa comme guérison et miséricorde pour les croyants. Quand Allah nous apporte la guérison par la baraka du Coran, par la baraka de la lecture du Coran, on doit son Allah qui nous apporte sa miséricorde par la baraka de la lecture de ce Coran. On doit son Allah, il dit, wa idha qara'ta al-Qur'an ja'alna baynak وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور وصلى تعالى qu'il met un voile entre nous et ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il met un voile entre nous et ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il met un voile entre nous et le diable, parmi les hommes et parmi les djinns. Ensuite, il y a aussi ce Coran. إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم. Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ce Coran guide vers ce qui est bien, vers ce qui est juste, vers ce qui est droit. On a souhaité à Allah qu'il nous guide sans cesse dans le chemin. Qu'il soit notre puits, qu'il soit nos membres, qu'il soit notre vue. Comme le Prophète dit, qu'Allah aime un serviteur, il devient sa vue avec laquelle il voit, son nuit avec laquelle il marche. On a souhaité à Allah qu'il nous aime à ce titre-là. Qu'il nous aime à ce degré et qu'il nous facilite les bonnes actions, qu'il nous facilite l'apprentissage de la science et qu'il nous stabilise. Et le jour de notre mort, qu'il soit satisfait de nous. Donc, Inch'Allah, on va voir Allah que tous les droits que Dieu fait qu'il accepte, qu'il nous pardonne nos péchés. Subhanakallah wa bihamdik. Mashallah, il a sa salat au bilek. Salut, subhanallah, bikarabi, la lettre de la seconde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.